Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa. Recevez votre humble serviteur que je suis, l'animateur mérite Serge de Falline. Dames et messieurs, recevez aujourd'hui dans Fafa, DJ TV3. Bonjour, David Soiseau. Tu connais le coude. Bonjour, Olivier. Bonjour, Olivier de Falline. David Soiseau. Tu connais le coude. Depuis Washington, DC. Non, je ne puis jamais oublier. Alors, nous avons souvent quelques anecdotes en nous. Hein. Bon, quand on se retrouve comme ça, c'est toujours familial, c'est convivial. Alors, champion, c'est comment? Ça va, tranquille, ça va. Non, mais ça fait un plaisir de te retrouver. Je suis là, tranquillement. Ça fait hyper longtemps. Ouais, je suis dans mon petit coin, bon, comme tout le monde. Je fais mon petit bonhomme de chemin, tranquillement. Si, mais ça. Je suis là. Parce que je vois que depuis tous ces événements qui ont bouleversé un temps soit peu ta vie, par rapport à ton frère et tout, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Vraiment, il y a quoi encore à toi et puis beaucoup de courage. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Alors, DJ TV3. Ta carrière commence, bon, on va dire musicalement, hein, pas comment on appelle, tu avais une chanson à l'époque. Je me souviens, on était venu dans les années 2001. Tu avais un premier morceau là. Qui la bongo est. Voilà. Je vais toi, et maman. Oui, ça, j'ai sorti ça après qu'on ait disloqué le groupe Babli. Babli, voilà, et parce qu'à la base. Où il y avait le son sous les cocotiers que les gens ont connu là. Alors, mesdames et je vous rappelle qu'il y avait le gars qui dansait fort en chapeau là. C'était TV3, hein. Il était coupant à l'époque. Alors, TV3, mine toi-même, tu es ancien aussi, hein. Il est quand même un vieux lion. Non, parce qu'en fait, tu sais, on n'a pas l'impression, hein. Mais tu es là depuis le commencement, oui, hein? Oui, oui. Même, je crois, bien longtemps, même avant ton petit frère. Oui. Alors, mais comment ça se passe? Et puis, ton petit frère, Feu DJ Arafat, se retrouve à devenir DJ à la rue Princesse. Bon, ça, c'est, je peux dire, c'est, comment, c'est dans les germes, en fait. Ouais, ok. Parce que déjà, notre papa, notre défunt père, il était, lui-même, en même temps d'être ingénieur de son, il était aussi DJ. Ok, voilà. D'accord. Ah, c'est dans une boîte de nuit qu'il a rencontré la maman d'Arafat. Ah, ok, d'accord. Qui n'existe pas, qu'on peut dire, qui n'existe plus de nom. Hein. C'était au Diams. Au Diams, oui. Ça n'existe plus maintenant. Oui, le Diams, du côté de, je crois, c'est au Grand Carrefour des Marques. Oui, le Diams, voilà. Bien sûr. Okay. Donc, c'était leur jeunesse là-bas. C'est là-bas qu'ils se sont connus. Donc, waouh. Alors, donc, le vieux père, même personnel, mais était DJ aussi. Oui. DJ. D'accord, c'est une passion commune qui vient même du père en fait. Donc on a pris ça, et y compris la musique qui est venue s'ajouter. Côté de la musique, c'est de la famille en fait. Okay. La famille, on vient d'une famille d'artistes. D'artistes, ouais. Le grand-père jusqu'à mon oncle Do Albert. Tonton Albert, oui, voilà, ça c'est. Mon oncle Tonton André qui avait le Bélier André Alex. Donc c'est toute une dynastie en fait. C'est toute une dynastie musicale. Ok. Alors. Comment tu fais tes premiers pas en tant que DJ? Bon, il faut dire que ça n'a pas été facile. D'accord. Voilà. Parce que déjà, au maquis, très souvent, quand le DJ de la maison, disons du maquis, de notre papa, n'était très souvent pas là, le vieux nous disait, allez changer les cassettes. Là. À l'époque, c'était les cassettes. C'était les cassettes. Allez changer les cassettes. On prend les bics là pour rebobiner. Là. Ouais. Ça, en fait, on n'avait pas l'amour de ça. Okay. C'est au fur et à mesure, petit à petit, doucement, on a commencé à bricoler, on a commencé à s'amuser, on les voyant faire. Okay. Souvent, on vient, on prend deux, trois cassettes. Quand on dit, le vieux dit, bon, travaille bien, celui qui travaille bien, il va avoir son Walkman. Tu veux avoir ton Walkman. Ouais, à notre époque, c'était les Walkman. Non, le Walkman, c'était quelque chose de... Waouh. Donc, nous, on prenait nos cassettes. À ce moment, le groupe M.A.M. et autres, c'était la vieille époque. Nous, on prenait ça pour... C'est pour ça qu'on a commencé nos petits amusements. D'accord. Didier, maintenant, lui, dans ses balades, à bricoler les baffes ici, démonter. Le vieux, ça va payer matériel, il vient de déposer, on doit changer de roues par lui. Il va venir prendre les tuteurs, les médias, on va venir fabriquer sa caisse, il met dans la chambre, bricole.
Et puis après, c'est moi qui prends les rambas de ça. Tu vois, non? Les bootstraps, tout ça. C'est moi en caisse. On dit, non, c'est toi qui en caisse. On dit, c'est toi qui l'entraîne. Moi qui l'entraîne. Ah. Donc, moi, il n'y a rien à voir là. Mais donc, après, c'est un peu toi qui l'entraîne parce que tu suis à la rue Princesse. Ah. Bon. La rue Princesse, oui. C'est quand on partait en vacances chez Mémé. D'accord. Mémé Dandilou. Chez Mémé Dandilou à Yopo. Voilà. Bon, c'est de là-bas qu'on a commencé à regretter un peu doucement. Puis après, maintenant, quand on est revenu à la maison, on a commencé à un peu grandir. Mm-hmm. On a vu que le disque, okay, je vois un peu trop du vieux, tout ça. On s'est dit, mais hey, ça a passé à notre papa. Donc, nous, on peut faire. Pourquoi on n'est pas fait? C'est mieux qu'on le fasse nous-mêmes. Donc, du coup, on a commencé à prendre goût. Genre, les DJ du maquis de vos papas commencent à le fatiguer. On va le fatiguer. Et vous, vous êtes dit, mais attends, c'est le maquis de notre papa. Nous, on peut DJ aussi. Donc, le samedi, quand ils ne sont pas là, quand ils sont à partir de 18h, 19h, on commence à mettre la musique déjà. Ce qu'ils faisaient là, nous, on s'amusait à faire ça, ça plaisait déjà aux gens. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé tout doucement. D'accord. Maintenant, Didier, par contre, lui, quand il est parti rester avec sa grand-mère, du côté des tabous. Il est revenu, c'est comme ça qu'il a glissé le matin. Et pendant que le monsieur est devenu DJ. Moi-même, j'ai appris comme tout le monde. Ah, ok. Voilà. Mais toi, tu étais où en ce moment-là? Quand moi, j'ai quitté la maison du papa, moi, je suis parti rester à Bobo. D'accord. Moi, j'étais à Bobo, j'habitais à Bobaoulé. Et puis, je travaillais, si je peux dire, je travaillais au Burida. J'étais agent des stickers au Burida. Et puis, le soir, je partais mixer. Okay. C'est comme ça que je gérais mon emploi de temps. Et à l'époque, toi, tu mixais où? Je travaillais à Bobaoulé avec DJ Rodrigue dans un maquis. Oui, dans un maquis à Bobaoulé. J'ai quitté d'abord une boîte qui était du côté de Blocos, okay. Qu'on appelait le Café d'Anvers, qui n'existe plus. Après, il y a eu le privilège, ce qui n'existe plus aussi. Mm-hmm. Et puis de là, maintenant, je suis parti à Bobo. Quand j'ai commencé à bien me perfectionner dans l'animation, pour aller apprendre maintenant les lecteurs et autres avec les DJ Don Swing, que je salue au passage, je suis parti à Bobo. Là, il fallait maintenant que je prenne le travail au sérieux. Là, en ce moment, Didier, lui, n'était plus à la maison. On avait déjà quitté la maison. D'accord. Donc, il était déjà à Yopougon. Il était déjà à Yopougon. Quand moi, je venais souvent à Yopougon pour venir prendre les CD, les nouveautés, les nouveaux sons, je ne le voyais jamais. Okay. Je savais qu'il était disque dans un maquis qui tournait bien. D'accord. Au Terminus 40. Mais je n'avais jamais la chance de le voir en train de travailler. En train de travailler. Tout ça. Quand on doit se voir, c'est qu'il est fatigué, peut-être qu'il dort. Et autres, bon, c'est ce que les gens me disent. Ah, ton petit frère, il est devenu fort. Il dit, ok, d'accord. J'aurais la chance de le voir. D'accord. Et puis je l'ai découvert comme tout le monde. Comme tout le monde un jour. Au pouvoir, marqué le pouvoir. Ouais, ça, en ce moment, c'est le pouvoir. Okay. Et puis j'étais vraiment fier quand je l'ai vu. J'ai dit, ouais, le petit est prêt. Il a fait du chemin. Non, il a fait du chemin, il était prêt. Et alors, c'est comme ça qu'après ça aussi, que le vieux s'il a découvert aussi, après maintenant, au marqué de Shanghai. De la manière dont il l'a découvert là. C'est de la même manière aussi que le vieux s'il a découvert aussi. Ah, donc le vieux, comme ça, un jour aussi, il va y le vieux, ça va boire un jour au Shanghai. Au Shanghai, où il va boire, voilà. Le vieux, ça va boire un jour au Shanghai. Il entend quelqu'un en train de chanter. Et puis, au moment, on allume la lumière. Il dit, mesdames et messieurs, je vous présente quelqu'un. Le monsieur que vous voyez assis là, de qui je suis en train de parler depuis. Parce qu'il faisait les éloges vieux. Les éloges donc, le vieux. Lui, il cherche. Voilà, on fait ses attentes à la cour. En ce moment, la lumière dans la cabine est éteinte. Puis, la lumière. Il dit, non, okay, c'est mon papa, tout ça là, c'est mon père, monsieur Wong-Pierre, tout. Il dit, papa, c'est Didier. Donc, le vieux se lève, le vieux le voit, le maquis, tout le monde se lève. Au moment, le vieux se lève, tout le monde se lève dans le maquis. Donc, tout le monde a commencé à applaudir en même temps. En fait, Yolo même, il aimait le sensationnel. Yeah parce que tu vois toutes ces créations. Ça a commencé à mais lui, il aimait le sensationnel, en fait. Le vieux, il voit pas son petit. Il voit son petit, il marque le petit, il est déjà fou. Donc, tout le monde se lève, tout le monde est en train d'applaudir. Là, même si le vieux veut craquer. Non, tu ne peux pas craquer. Tu peux pas craquer. Peut-être même là, son cœur était gâté. Il voulait rentrer pour des ingwa fou. Mais quand il a vu la situation, il s'est dit non. Il était content, il est rentré, il allait glisser les feuilles au petit. Donc, puis après ça, maintenant, il nous a convoqué à la maison pour nous donner des conseils. Comment est-ce qu'on va s'y prendre par rapport au métier et tout. Là, il a commencé à vraiment maintenant nous mettre maintenant sur le chemin maintenant le chemin de comment est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà. C'est comme ça. Et là, maintenant, il m'a dit non, prends soin de ton petit parce que c'est son grand frère, il faut que ça se passe comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on gère. D'accord. Mais la première fois qu'on le découvre, on va dire musicalement, sur le plan international, c'est sur le premier album de Atalaku de DJ Jacob où Arafat pose sa voix. Et quelques temps après, il décide de sortir sa chanson Jonathan en hommage à son formateur, feu DJ Jonathan. Et à ce qui paraît, c'est toi qui as fait le cœur. Oui. En fait, la chanson, d'abord, Jonathan, c'était pas son morceau phare. Okay. Il avait sorti une chanson où il utilisait les atalakous de Chegal. Il avait fait une chanson. Et puis, dans le temps, j'ai appris que Chegal le cherchait. Parce que comme quoi, il avait utilisé ses atalakous pour faire une chanson. Que non, s'il l'attrapait, il avait frappé. Il a dit, dites à Chegal que le petit là, il y a beaucoup de lions derrière lui. S'il touche un grain de ses cheveux, il va savoir qu'il a des grands frères. Donc, après, il a dit, tu sais, faut pas ça devienne trop difficile. Ça dit tout, c'est attends, quand il est laissé, même, il a fait un bon morceau. Il m'appelle un jour, il dit, ah, grand frère, il a fait hommage à Jonathan. Parce qu'il a vu un peu ce que ça avait commencé à créer. Il dit, non, il a fait hommage à Jonathan. Il a dit, d'accord,
On s'est retrouvé chez lui. Le vieux Père Kakou Honoré. C'est comme ça qu'on arrive. À la base, Malelo, ma musique, c'est une musique, c'était son rap. Quand, dans notre temps de jeunesse, on faisait un mouvement de hip-hop, au quartier, voilà, c'était un mouvement de rap. Ok. Et puis maintenant... Donc ça part d'un enjaillement, en fait. Voilà, on a dit, donc, pourquoi on n'est pas étudié ça? Malelo, ma musique, pourquoi plaquer? Ma musique, Malelo, ma musique. Et puis, c'est parti. Okay. Donc, Moulouk et moi... C'est comme ça qu'on a fait les queues. Moulouk aussi, c'était, lui aussi venait d'arriver les Saint-Pédro. Lui aussi, c'était sa première fois aussi de découvrir aussi un studio. D'accord. Et puis Moulouk, il avait déjà un petit nom déjà du côté de Saint-Pédro. Okay. Et puis il est venu à Abidjan. Et puis quand il est arrivé à Abidjan, les gens avaient une manière de se comporter avec lui au Shanghai. Didier a dit, hey, non, 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 lui là c'est mon bro, pas que vous, vous faites des histoires. Des histoires, des donc, choses. Laissez-le. C'est comme ça que Moulouk aussi a réussi à s'imposer. Moulouk aussi, quand il s'est imposé, il s'est imposé lourdement, hein. Oui. Donc on a fait le son. Vous avez fait le son. On a fait le son en one way, le vieux, en fait. Je t'explique. C'est pas pour dire qu'on a chanté aujourd'hui, on avait chanté. Non. Mm-hmm. On est rentré, c'est one way. Direct. Le son, en moins d'une heure de temps, on a fini le morceau. Vous avez fini le morceau. Donc après ça, ils ont fait d'autres titres qu'on a mis sur le morceau. J'imagine même, je suis sûr que le morceau même n'a même pas été mixé. Vous avez pris ça brut comme ça pour le matin. Ouais, on passait à l'époque là. À l'époque, les gens n'avaient pas le temps. Hein. Non, mais c'est pas ce qu'il a mixé, mon non, gars. Non, parce que ne pense même pas que ça a été mixé. Non, ça l'a même pas en tout cas. Moi, personnellement, non, parce que je me souviens très bien à cette époque-là. Les gens n'avaient pas le temps. Hein. Non, c'était champ-champ. C'était trop champ. Les gars finissent. Le morceau est brut. C'est encore même. Alors, je disais à l'étape maquette. Oui. Et puis, les gars prenaient les gars rentrer en ville. Ça. Mais c'était, non, c'était bien arrangé. C'est ouais, ça, non, l'arrangement était super top. Doit être. Quand quelque chose est bien, ça n'a pas forcément besoin d'être trop. C'était bien arrangé. Voilà. Alors, TV3. Aujourd'hui, 4 ans après le décès de ton frère, pour qui je sais que tu as eu beaucoup mal quand tu as appris cette nouvelle, parce que tu n'étais même pas du côté de la Côte d'Ivoire, tu étais au Tchad à cette époque quand il est tombé. Aujourd'hui, 4 ans après son décès, quel est le bilan que tu fais de son héritage? Je peux dire que c'est vraiment triste. C'est même déplorable. Personnellement, c'est triste, c'est déplorable, puis c'est, comme on le dit, c'est négatif. C'est mauvais. Pour toi, c'est négatif. C'est négatif, c'est... Personnellement, si on avait pensé, comme les grands penseurs, comme les gens... Parce que souvent, on voit ça dans les films, des gens qui écrivent leur testament pour dire, quand je ne serai pas là, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ci. Si on avait pensé ça, aujourd'hui, on aurait pu s'asseoir pour dire, on a laissé quelque chose. Okay. Mais les choses, c'est comme un verre qui s'est cassé. Okay. C'est compliqué de recoller les morceaux. C'est parti en cacahuète. Donc du coup, c'est pour moi, je suis... C'est avec un cœur vraiment meurtri que je regarde ça. Quoi. Sinon, franchement, c'est pas ce à quoi dire Arafat devait... J'aime même pas les mots même quand je parle. En fait, les mots te manquent, en fait. Mais et comment tu expliques que... Je me dis, hein, il a des amis, il a des potes, il tombe. Et puis en même temps, on casse la porte de sa maison. On vide sa maison. C'est quoi? C'est des amis ou c'est des vautours? Personnellement, moi, je n'appellerais pas ça des amis. C'est être méchant. Mais personne ne viendra dire, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Parce que en même temps qu'ils vont le faire, ils n'ont pas le contrôle de ce qui va venir derrière. Okay. Quand tu as dit non, quand j'ai cassé la porte, j'ai pris ça, j'ai gardé... Comment les gens vont interpréter l'acte que tu as posé? C'est ce qui est compliqué. Bien sûr. C'est ce qui est compliqué. Mm-hmm. Ils ont accusé certaines personnes d'avoir commis ces actes-là. Oui. Mais ces personnes étaient obligées d'endosser ces actes-là pour garder la bonne image de l'artiste. Sinon, pour moi, TV3, là où je suis assis au jour d'aujourd'hui, la maison là devait être une maison de... Ça devait être un musée. Les gens devaient aller visiter là-bas. Mm-hmm. Personnellement, pour toi. Ok. Parce que, j'explique, quand on m'appelle, moi je suis au Tchad, on n'a pas les mêmes heures. Mm-hmm. J'essaie déjà de réveiller mon frère. À la base, je suis parti pour la construction d'une boîte de nuit là-bas. Okay. Lui, il est censé venir là-bas pour l'inauguration de la boîte le 1er septembre de l'année à laquelle il est tombé. Mm-hmm. Donc, le matériel que je devais récupérer, les jeux de lumière et autres, je devais venir les prendre ici. D'accord. Mon patron est venu, il n'a pas pu les ramener sur le Tchad. Donc tu devais revenir. Il m'a dit, bon d'accord, toi, va là. Il a une agence de voyage, il a dit, va à l'agence, il faut voir, il y a quel vol qui est disponible. Je lui ai dit, non, il y a un vol qui est disponible juste pour le 24 août. Mm-hmm. Donc il m'a dit, d'accord, prends un billet.
comme ça tu vas aller prendre le matériel là. Moi, je peux pas transporter, c'est trop lourd. Donc, c'est comme ça que j'ai pris mon billet. Et on a eu à causer. J'ai d'abord causé avec Manu TGV. Après, j'ai causé avec Ariel. Et puis ensuite, après lui, je l'ai appelé. Et on a eu à causer. Tout. On est tombé d'accord sur le cachet, tout ce qu'il devait avoir concernant le vaisseau de la boîte. Ouais, par rapport à son déplacement, par rapport au concert et tout. Voilà. Donc, okay. Je lui ai dit que moi, je viens à Abidjan. Quand je viens prendre le matériel, je viens maintenant, il vient ton avance, il donne ton avance. Et puis bon, on se laisse. Voilà la dernière phrase qu'il m'a dit. Il dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis bouclé jusqu'en septembre 2020. Ok. Voilà ce qu'il m'a dit. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est que si on est en pleine finition, quand on finit, dès que moi, j'arrive à Abidjan, on se voit. Puis bon, j'ai coupé. J'étais encore au chantier. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et le 12, moi, je pique le chantier, je viens. Ce que j'ai ressenti ce jour-là, ce n'était pas comme si quelque chose devait se passer. Je n'ai pas dormi jusqu'à 2h, 3h du matin, de là-bas, en fait. J'ai une amie qui m'appelle, ça va, tu es à la maison, tu as mangé. Elle me posait des questions bizarres, en fait. Ouais, vu que je n'étais pas connecté, je n'étais pas allé sur les réseaux sociaux, donc je ne savais donc pas ce qui s'était passé. Tu savais pas, en fait, tu n'as pas su à l'instant même. À l'instant même. Ce qui s'était passé. C'est passé. Ok. Donc, elle essayait de parler d'une manière dont bon, je ne me connectais pas, en fait. Je n'avais même pas l'intention de me connecter. Et puis, j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire, ah, j'espère que ce qui se passe là, tu as le moral. Hein. Elle était à la clinique, à la polyclinique. Là-bas. Ok. Je dis, le moral comment? Elle dit, bon, je te rappelle. Voilà ce qu'elle m'a dit. Je te rappelle. Et sa soeur qui m'envoie un message me dit, ma soeur t'a appelé non de lui. Elle dit, ah, en tout cas, il faut attraper ton cœur, c'est pas facile. Dit, mais qu'est-ce qui n'est pas facile? Qu'est-ce qui n'est pas facile? Donc moi, je la rappelle maintenant. Vu que c'est pas l'appel normal, c'est WhatsApp. Bien sûr, c'est WhatsApp. Il y a quel problème? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah, que tu n'es pas au courant. Bon, en tout cas, pour l'instant, il ne faut pas aller sur les réseaux sociaux parce que les gens racontent n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà comment est-ce que je vais maintenant aller sur les réseaux sociaux pour prendre l'information. Et je m'en vais maintenant. C'est là maintenant que je tombe maintenant sur le. Je vois maintenant tout ce qui s'est passé. J'ai commencé à voir et autre. Quand j'ai vu ça, j'ai appelé Séverin. Bon, Séverin, ton petit frère, le petit frère celui qui me suit directement. Ok. Je dis, débrouille-toi, arrive à la maison chez Didier. Si tu arrives que c'est bizarre, fais tout ton possible. Même si tu n'as pas l'argent, va au 22e. Prends des policiers. Ils n'ont qu'à venir surveiller la maison de Didier. Parce que ce qu'ils sont en train de voir là, c'est pas bon. Je te rappelle. Donc maintenant que je coupe, j'essaie de joindre Youyou, je tente de joindre en tout cas des personnes à la maison en fait. J'arrive à joindre personne. Je suis resté là jusqu'au petit matin. J'ai rappelé. Je n'arrivais pas à joindre quelqu'un. Et c'est comme ça que je suis resté en contact avec Gattuso. Gattuso le lait. Celui avec qui j'arrivais à causer, il était là-bas. Lui au moins il bougeait un peu, donc il me donnait un peu certaines nouvelles. Et quand j'ai pu joindre Séverin, Séverin m'a dit non, quand il y avait déjà du monde là-bas. J'ai dit c'était non. C'était déjà, ouais. Mais il était dit, même si c'est deux agents de police, ils n'ont qu'à juste aller rester devant la porte. Ils n'ont qu'à juste être devant la porte. C'est tout ce que tu te demandes de faire. Il ne faut pas faire autre chose. Ils n'ont qu'à juste être là. Si au moins il y a des agents de police devant la porte là. Ça peut dissuader au moins les gens même si de vouloir faire voilà, de vouloir faire quoi que ce soit. D'accord. Et reste là. Moi, j'avais déjà l'information. Mais je ne pouvais pas alerter mes frères et soeurs. Je ne pouvais pas. Donc, il fallait que j'attende aussi. Aussi pour voir. Voilà. Ce qui allait être vraiment décidé de là-bas. C'est quand notre défunt papa, le vieux Ambat, est venu dire, annoncer officiellement. C'est là maintenant qu'on a pu essayer de parler. Ok, d'accord. Et moi, dès que je suis revenu, en fait, ça s'est passé comme ça devait se passer. Tout s'est passé au téléphone, tout est parti. Après, c'est parti, c'est des coups de fil, voilà. Comme ça. Je ne pouvais plus avoir de vol. Je ne pouvais pas changer mon billet parce qu'il n'y avait pas de vol disponible. Si. J'avais pas de vol disponible dans le mois d'août, là, si ce n'était que la date du 24. Wow. Quand je suis arrivé à son carrefour devant sa maison, je me suis arrêté au carrefour. Quand j'ai regardé l'atmosphère, j'ai dit c'est déjà fait. Wow. Voilà tout ce qui est sorti de ma bouche. Je suis rentré dans la maison, j'ai regardé la maison, j'ai dit c'est déjà fait. Je suis sorti. Direct. C'était déjà gâté en fait. Wow. Voilà. Alors, parlons de ses affaires personnelles. On a parlé de son héritage, mais quand on parle de ses affaires personnelles, est-ce que tu penses que Olopatia a vraiment cassé le portable de feu Didier Arafat? Non. Ça, c'est pas possible. Comment ça? Téléphone, c'est dans la main de l'eau. Non, c'est si c'est pas dans la main de l'eau, oui. Olo sait où le téléphone est. Il peut pas casser le téléphone. Donc, tu penses que Olo Pacha n'a pas cassé le téléphone de Fidji Arafat? Il peut pas casser le téléphone là. Mais donc, quand il s'élève aujourd'hui pour dire que bientôt il va sortir un documentaire sur la vie de ton frère, est-ce qu'il t'a demandé ton avis d'abord? Non. Voilà là où je trouve qu'on ne respecte pas l'artiste en question. Ok. Parce que même si on habitait avec lui, il y avait des artistes qui étaient là. Il a travaillé avec des gens. Quand je voulais réconcilier tout le monde après son décès, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut que tout le monde soit là. Quand Mémé va venir, que sa maman va venir,
et notre oncle qui gère la famille Villac va venir. Mm-hmm. On a notre petit papa qui est là, notre père il est décédé, mais chez nous, quand quelqu'un décède là, il y a un papa qui est là. Un petit papa qui on là, a ouais. un papa, on a notre papa qui est là. C'est mm-hmm. qu'il prend les décisions comme si, comme si c'était le père qui est vivant. Mais okay. si lui n'a pas dit quelque chose, le chef de famille peut au moins parler. D'accord. Quand elle va venir, quand la famille va s'asseoir, vous allez parler avec tous ceux qui ont côtoyé l'artiste depuis ses débuts jusqu'à ces derniers moments. Okay. Les gens avec qui vous voulez travailler, que vous savez que ceux les peuvent apporter quelque chose, vous continuez de pérenniser ces œuvres, vous travaillez avec eux. Ceux que vous voulez libérer, vous les libérez, mais vous ne les libérez pas parce que demain vous aurez besoin de vous. Disiez ne se séparez pas des gens comme ça. Il peut se séparer de toi, mais tôt ou tard, un matin, il va t'appeler pour quelque chose. Bien sûr. Donc, il faut prendre le juste milieu pour ne pas qu'on puisse avoir des problèmes. Mm-hmm. Apparemment, ce qu'il a dit là. C'est comme si moi, j'ai attisé la flamme. Hein. La vieille a pris ça autrement. Tel a pris autrement. L'autre a pris autrement. Chacun commence à dire ce qu'il a envie de dire. Chacun commence à faire ce qu'il a envie de faire. Donc, du coup, on les a regardés. Donc, tu penses que Olokwatia n'a pas le droit de faire un reportage ou sortir sur la vie il n'a pas couru les examens. Bon, tu vas faire un reportage là-haut. En allant faire un reportage là, tu te bases sur quoi pour faire un reportage? Bon, il dit qu'il était proche de lui, qu'il lui, il a des papos, il a des docs sur Fedija Arafat, donc il va les mettre, que lui va dévoiler tous ces docs-là bientôt. Dans une interview, on l'a reçu ici, c'est ce qu'il a dit. C'est archi faux. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien créer. Olo, quoi, tu ne peux rien créer. Je regarde, Olo, tiens, tu ne peux pas créer quelque chose. Bon, Olo, le message est passé, on dit que tu ne peux rien créer. Documentaire là. Quand tu veux créer un buzz, voilà pourquoi ce que j'aimais Didier. Quand Didier veut faire un buzz, là, tout son entourage sait. Quand il fait bim, quand les gens appellent à côté, on dit ah ouais, c'est toi. Même si c'est mauvais, on soutient d'abord. Et puis après, maintenant, on encaisse le rempart. On a tous donné notre patine pour Didier ici. Tout le monde veut prouver que non, ils ont été bons avec Didier. Moi, j'ai fait ça pour Didier. On connaît les gens qui travaillent. Qu'est-ce que tu penses de la fille que Olokwatia a affichée récemment? En disant que cette fille aurait eu une relation intime et sincère avec Feu Didier Arafat pendant qu'il était encore marié et disons qu'il avait déjà demandé la main de Kamel Sama. Cette fille-là, si elle portait plainte, qui allait répondre de ses actes? La même fille dans la question qu'on soit affichée là, si elle portait plainte, qui allait répondre de ses actes? Contre Olokwatia? Qui allait répondre? Mais c'est pas moi en tout cas. Voilà. C'est pas Youyou, c'est pas Landry, c'est pas Dolizena, c'est pas Vecchio, c'est pas Salvador, c'est pas. Non! C'est Olo. Donc, il se base sur quoi pour faire ça? Mais est-ce que toi, tu connais la fille? Elle n'a jamais causé avec moi, à ce que je sache. Mais est-ce que tu la connais au moins, même si elle n'a jamais causé avec toi, est-ce que tu l'as déjà vue? On se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Ok. Bon, en parlant de ça aussi, il y a une aussi qui est sortie aussi sur les réseaux. Un matin, elle dit donc qu'elle habite à Angrée, dans la Cité des Arts, qu'elle a eu un enfant avec Feu Didier Arafat. Comment elle s'appelle? Angela Lova. Tu la connais? Je la connais ni d'Adam ni d'Ève. Les gens sont sortis comme ça. Bon, le gars est tombé. Tu te présentes pas à l'instant là. Uh-huh. Toi, tu viens combien d'années après venir dire que c'est ton enfant, de Didier Arafat. Bon, on fait comment? Excusez-moi, j'ai réagi comme un vieux ami. Ma chérie, excuse-moi, hein, mais nous les Wong, on ne te reconnaît pas. Parce que même peu importe ce que Didier faisait, même s'il ne se confessait pas ou qu'il ne se confiait pas, il y avait beaucoup de choses quand même que nous savions. Donc, mais peut-être que c'était une sego aussi dans un couloir là-bas, c'est même pas si tout. C'est une sego dans un couloir, même si. Le vieux, tu connais Didier. Mais ça peut être maracoupé. Ton petit là, tu étais venu à Bengue, non? Oui. Tu le connais bien, non? Mais souvent, il n'y a pas quelque chose qui a changé. Non, souvent, il est maracoupé aussi. Non. Il peut être une gamme de maracoupé à la go. Didier? Oui. Non, c'est pas Didier. Et puis en plus, elle a le format, tu sais? Oui. Ça peut être maracoupé. On peut ne pas dire le contraire, mais tu sais, deux personnes peuvent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ressemblent à Didier Arafat. Bien sûr, ouais. Mais pourquoi on ne dit pas qu'ils sont des frères de Didier Arafat? Comme moi, mais puis on regarde Arafat, on ne se ressemble pas textuellement. Moi, il a pris la taille de notre grand-mère. Lui, il a pris la taille de notre grand-mère, de notre grand-père, excusez-moi. Okay. Grand-père, très court. Ok. Et Mémé Afiba, elle est très grande de taille. Moi, il a pris la taille de Mémé. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de ressemblance entre toi et Arafat. Voilà. Il est aussi, voilà, dans, on peut pas. Quand tu vois Arafat, c'est grand-père textuellement que tu as vu. Ta démarche maintenant, c'est démarche de grand-mère. C'est pourquoi il a fait Pangola. C'est la démarche de notre grand-mère. C'est pas pour une histoire de dire que c'est un. Non, c'est comme ça, mais même le grand-mère machin. C'est sa démarche, même jazz. C'est ce qu'on a pu faire danse. C'est ce qu'il a pu faire danse. Oui. C'est comme, en fait, elle est cambrée, puis c'est comme ça, elle marche. Donc, on a pu faire danse. De la grand-mère. De la grand-mère. C'est ça qu'on a pu faire danse. Et son format là. Tu déposes la photo de grand-père, tu le déposes à 7. C'est ça, en fait, c'est typique. Le dessin. Typique, il n'y a pas de changement. Wow. Comportement pareil, tout. Il n'a pas volé.
Bon, récemment encore, parlons de la Yoro Gang. Il y a un ex-membre, je dirais aussi, quelqu'un qui est très proche de Feu DJ Arafat, du nom du président Binaté, qui a fait une déclaration récemment dans une interview où il déclare, il affirme que DJ Arafat a été tué. Et il le dit en disant même que DJ Arafat a été fermé de tous les côtés et c'est ce qui l'a conduit à la mort. Donc lui, pour lui, c'était une manière de le tuer. Je ne sais pas si je dois dire non ou si je dois dire oui, mais... Mais est-ce que tu penses que fermer les portes à quelqu'un comme ça, de cette manière, ça peut le tuer dans sa tête spirituellement et même tuer même son esprit? Je vais prendre un exemple plus simple. Ces derniers jours, on a vu Kérosène pleurer sur une chaîne de télévision. Oui. DJ Arafat était le roi du buzz. C'était le gars là, c'était celui-là même qui gâtait. Et puis, il s'en foutait de ce qui allait venir derrière. Mm-hmm. Pas parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait, hein. Il s'en foutait de ce qui allait venir derrière. Mm-hmm. Parce qu'il se disait, si je veux faire que je veux faire dans la peu près, c'est pas sûr. Soit il fait bien ou il ne fait pas bien. Comme on le dit, quand tu veux manger, il faut bien manger. Quand tu veux voler, il faut bien voler. Il ne faut pas faire dans la peu près. Ça peut te l'attraper. Donc, il le faisait bien. Mais DJ Arafat n'allait jamais venir s'asseoir sur une chaîne de télévision venir pleurer. Mais il a dit que ouais, les gens déchirent ses panneaux, les gens déchirent ses affiches, mais ils payent, ça n'est pas. Il a été fermé et ça, c'est tuer un artiste dans l'âme. Quelqu'un a eu au moins la force et le courage de le dire. Et ouvertement sur un plateau. Voilà. Et Marie l'a fait, mais aujourd'hui, les gens le traitent de je ne sais pas moi, de tous les noms. On trouve qu'est-ce qu'il a fait là. Oui, au moins, il a eu la chance de pouvoir évacuer quelque chose. Chose que DJ Arafat n'a pas eu la chance de faire. Le vieux, tu trouves normal que le jour de la fête de c'est Tabaski, non? Tabaski. De Tabaski. Tous les artistes qui sont en vogue de Côte d'Ivoire, tous les artistes, je dis bien tous les artistes de Côte d'Ivoire, sans exception, qui sont en vogue, sont chez les parrains, chez des ministres, chez des autorités, en train de fêter. Et que la légende du coupé de Calais, lui, DJ Arafat, soit assis dans une quarantaine de bois du jus. Il n'est même pas invité, même nécessairement que chez un ami. Et c'est sur les réseaux sociaux, il voit ce genre de vidéos-là. La colère, c'est vrai, ce qu'il a ressenti de cette vidéo-là, c'est ça qui l'a fait tomber. Parce que Didier n'est pas tombé en ayant bu. Il n'avait pas bu. Il était très lucide. À ce jour-là, il n'avait rien. Il n'avait pas bu. Il était très lucide. Il était très lucide. Parce que quand tu veux poser des questions, il faut poser les vraies questions. Aux vraies personnes. Il n'avait pas bu. La colère, ça fait mal. Tout le monde. Je pense qu'il a été épris de colère. Parce que il était épris de colère. Tu peux pas. C'est des choses que tu n'arrives pas à exprimer. C'est comme ta chérie que tu aimes. T'es trop. Mais quand tu penses à ce qu'elle t'a fait, l'état dans lequel tu descends, tu peux commettre quelque chose de grave. C'est-à-dire c'est comme quand tu penses que ta chérie que tu aimes te trompe. C'est-à-dire le même sentiment que tu peux ressentir. C'est ça qu'il a dégagé sur sa moto. Il va crier, il va faire quoi? Il ne peut pas. Quand DJ Arafat est quelque part, il y a toujours du monde autour de lui, qu'il soit bien ou mal dans sa peau. Les ceux qui sont le monde qui est autour de lui là, eux ils ne percutent pas ça. Ils ne percutent pas ça. Il est aussi la ressenti. Là, il n'y avait pas quelqu'un qui s'est. Il n'y avait pas quelqu'un qui s'est confié. Peut-être que tu souffres. Et puis les gens sont adulés. Voilà. Ça, c'est compliqué. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ça fait mal. DJ Arafat n'était pas, c'était pas un cyborg quand même, c'était un être humain. Bien sûr. Il avait aussi un cœur. Oh, bien sûr. Il avait aussi un cœur, il avait aussi des sentiments. Souvent, quand il se sent un peu trop délaissé, quand il se sent un peu trop triste, il laisse sa maison, il va peut-être dans une résidence, ou bien il va peut-être assigner, il va faire peut-être 2-3 jours là-bas pour se libérer. Pour évacuer. Quand il revient, il est dans son studio. Mais je me dis quoi, s'il était bien entouré, qu'il était peut-être avec des personnes, ou peut-être il avait son psychologue. Qui pouvait le canaliser. Peut-être que ça aurait pu. Bon, imaginons peut-être ce que. Je touche du poids. Ce que Kérosène a dit là, il n'arrivait pas à évacuer parce qu'il a dit, lui au moins, il a eu à dire que j'ai fait des histoires. J'ai fait des histoires. À ma femme sans le vouloir. Peut-être que c'est ce qui est arrivé aussi avec DJ Arafat. Personne ne savait, personne ne pouvait savoir. Mais est-ce que de toi à moi, TV3, tu me diras, c'est vrai qu'on est tous des êtres humains. C'est vrai que par moments, on peut avoir, je dirais même, des périodes de tension ou des périodes de dépression. Mais est-ce que cela veut dire qu'on dit tout? Ce qui nous a vraiment poussé à cela? Parce qu'il y a aussi ça. Franchement, c'est compliqué. Ouais, ça doit être compliqué. Parce que je me dis quoi? Tu me diras, je vois, tu as une croix sur ton cou. Je pense que tu dois croire en quelque chose, forcément. Ouais, voilà, tu pries beaucoup et tout. On se connaît depuis belle lurette. Et tu sais aussi qu'il n'y a aucun acte composé sur cette terre qui n'est pas de répercussions plus tard.
Ça aussi, c'est un fait. Oui, c'est pas vrai. Voilà. Donc, nous sommes dans un milieu qui s'appelle le showbiz, dans lequel il y a beaucoup de choses qui se passent, dans lequel certaines personnes sont capables même d'aller toucher à des choses pour pouvoir être au devant. D'autres sont capables d'aller faire des alliances pour être aussi des numéros un. Toutes ces choses-là, tu n'es pas censé ignorer que cela s'est fait très, très bien dans ce milieu dans lequel nous sommes. Bien sûr, bien sûr. Après, il ne faut pas qu'on se parle comme des enfants. On connaît l'affaire. On connaît ça bien. Voilà. Donc, est-ce qu'au-delà de tout ça, quand toi tu regardes tout ça, avec toutes ces choses qui se passent dans ce milieu, quelle est toi, ta pensée spirituelle quand tu vois ça? Personnellement, pour moi, mon frère, les gens, tous les jours, j'ai entendu ça. Bien sûr. Il faisait ceci, il faisait cela, Didier fait ça. Didier. Chacun faisait pour lui, pour pouvoir avoir soit sa visibilité, peu importe. Parce que c'est le mec, quand il t'allume, forcément, dans la semaine où il t'allume, là, les gens vont te regarder. Ça va donner une petite lumière. Ça, c'est clair. Il était là pour ça. Ouais. Et souvent, il parlait, on ne comprenait pas. Dit que Tidja Lafa faisait fétiche, là-bas, il n'y a pas confus encore. Médicaments, non, personnellement, sincèrement dit. Sans vous mentir, sans mentir à la nation, à tous les fans, non. Parce que si Didier faisait ce qu'on dit là, il n'habiterait pas là où il habitait, dans une petite maison, presque en bois de la lumière, où on se coinçait là-bas, où on, comme on disait, au camp militaire, où on mange, où on fait certaines choses. On avait ça le camp militaire. Il serait il serait peut-être auprès des ministres dans une grosse maison avec piscine, jacuzzi. Vraiment, on aurait senti. Quand quelqu'un a l'argent, on n'aurait pas besoin de forcer. Didier, c'était un goulieur, c'est un enfant de la rue qui a grouillé pour avoir ce qu'il a. Ce qu'il a. C'est le mec, quand il a beaucoup d'argent, pour ne pas faire du gâchis, il préfère acheter une voiture. Il s'est dit que si je n'ai pas cassé ma voiture, si demain c'est bizarre, soit je troque ma voiture pour prendre une autre voiture plus belle ou alors pour faire chose. À défaut, il laisse son argent à la banque. Mais donc il vivait comme tout le monde. Il en a cassé beaucoup. Amen. Waouh. Et il disait, le jour où je meurs, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Il a fait des accidents plus graves que ça là. S'il est parti, c'est que c'est Dieu qui a décidé qu'il parte ce jour-là. Ouais. Donc, ouais. Pour ça, moi, je ne peux pas en vouloir. Mais toute réponse se trouve entre les mains de notre Seigneur. Il n'y a que lui seul qui peut décider de ça. C'est clair. Alors, aujourd'hui, on va dire, comme on a dit tout à l'heure, on parlait des 4 ans après le décès de Fedi Jarafat. TV3 aussi, musicalement parlant, ça fait un moment aussi que tu ne sors pas de titre. Déjà, j'avais préparé mon album qui devait sortir en 2018. D'accord. Donc, on a juste sorti Maploli, qui était le dernier featuring que lui et moi, on a eu à faire. Avec Arafat, oui. Maploli. On a sorti Maploli. On a juste fait la vidéo, c'est sorti. Et puis, il a dit, bon, comme j'ai Vecholula, j'ai Dolijana et Salvador, attends qu'on sorte chacun. Et puis, maintenant, on s'occupe de toi. Parce qu'on était tous à la Yorogan. C'était notre mouvement qu'on avait créé. Donc, c'est comme ça qu'on allait. Et vu que moi aussi, je suis plus platine, à part le fait que je sois sur les scènes, je touche toujours platine. Toujours platine, donc tu es toujours parti dans tes voilà, mouvements. Donc je travaille. Je me suis dit, quand ce sera le moment, que ce sera prêt. Et puis, mine de rien, quand il fait ce qu'il a à faire là, toi-même, il faut chercher un peu dans ta poche aussi pour te pousser. Parce qu'après tout, lui aussi, c'est un artiste. Pas forcément compter sur lui pour qu'il fasse tout. Pour faire tout, ouais. Voilà. Pour faire la part belle et puis voilà, il a fait aller chaîner, il devait faire les autres. Donc, c'est un peu. Donc, moi, je suis parti travailler. Il y a eu un bon contrat, bien juteux au Tchad. Je suis parti travailler. Ok, alors parlons de Maman Tina. Aujourd'hui, quels sont tes rapports avec Maman Tina, Spencer? La vie et moi, on ne se cause pas. Vous ne vous parlez même pas? On ne se cause pas même. Vous n'êtes pas en odeur de sainteté, c'est-à-dire que causez plus. On ne se cause pas même. Aïe, à quoi de voir. On ne se cause pas même. C'est ma maman, hein. Oui, je mais la c'est ça. Respecte. Oui, et quand je même. Vais toujours l'honorer et toujours la respecter. Si quelqu'un veut manquer de respect à ma maman, je vais sortir mes gonds. Mais moi, son premier fils, elle et moi, on est imparables. Elle sait, je sais. Mais quelle est la cause de votre palabre? Non, on ne va pas expliquer ça. Elle sait, je sais. Les vieux, elle sait. Parce qu'elle a. Je ne peux pas, moi, je le dis, je le répète, je ne peux pas permettre que moi, qui n'ai pas pu faire mon deuil jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me lève. Je prends mon courage à deux mains pour dire aujourd'hui, je vais aller poser des gerbes de fleurs sur la tombe de Didier et que j'arrive là-bas. Et que quelqu'un se lève me dit que non, que maman Tina a dit qu'il faut qu'on l'appelle d'abord, sinon, sans ça, on ne peut pas avoir accès. Et c'est d'autres personnes qui vont aller voir, aller danser sur la tombe de mon frère. Moi-même, qui suis son propre sang, je n'ai pas accès. À sa tombe pour déposer une gerbe de fleurs, mais de cueillir sa tombe pour prier. Et j'en parle, elle se met sur les réseaux sociaux, elle m'insulte. Ah ouais? Ah non. J'ai plus de 10 ans. Hein. Maman, il faut que tu saches ça, j'ai plus de 10 ans. Donc tu penses que tu es un grand garçon, n'a plus le droit de t'insulter comme ça sur les réseaux sociaux? Je suis père de famille.
Je suis trop grand, mes enfants sont super grands. J'ai déjà atteint la quarantaine, je ne suis plus un enfant. Tu sais, veut me parler. Quand j'étais au Tchad, elle m'appelait, elle me parle. Quand j'ai un souci, moi je l'appelle, je lui parle. Mais moi, je viens au cimetière où tout le monde est en train de me regarder. C'est vrai que c'est TV3, même si je ne mousse pas comme les autres là. Mais de la manière, c'est arrivé, puis les gens m'ont vu en grand, et puis après, m'ont rendu demi, puis c'est parti là. Je ne peux pas concevoir, ça ne rentre pas dans mon système. Ça ne passe pas même. Donc pour ça, je ne peux pas rire à elle. Et tu penses que pour toi, ça a été une humiliation? C'est une grosse humiliation, une foutaise. Oui. Donc je ne lui adresse pas la parole. C'est ma mère, je dis bien. Si quelqu'un manque de respect à ma maman, je suis capable d'aller mettre cette personne sur le droit chemin. Mais maman et moi, on est en guerre. Ouais. Claire, qu'elle le sache. Tu es en guerre aussi avec Amène Sama? Oui, c'est la même chose là. Donc toi, tu es en guerre toutes les femmes. Oui. C'est Kamel Arafat, tout le monde. C'est la je suis en guerre avec maman Tina, je suis en guerre avec Amène. Mais pourquoi tu es en guerre avec Amène Sama? Pour Amène Sama, il y a eu un truc qui s'est passé pendant que j'étais au Tchad. Moi, je suis dans un pays. Il me défend là-bas dans un mouvement. Souvent, on a un problème d'électricité, tu ne peux pas comprendre. Il y a un truc qui s'est passé, je suis venu te parler. Peu importe comment ça a tourné, que tu sois fâché, peu importe. Moi, je suis ton grand frère. Hein? Je suis ton premier mari, c'est ce que tu dois savoir. Je suis ton grand frère, je suis ton premier mari. Parce que je me dis que si son mari vivait aujourd'hui, s'il y a un problème à la maison, là, c'est nous en partie de dire au monsieur, hey, c'est pas comme ça on fait. C'est comme ça on fait. Ok. Donc, peu importe ce qui s'est passé, même si tu es fâché, comment à la dernière degré, que moi, il me lève, moi, vieux, il me lève pour te dire, quand même. Laisse tomber. C'est des choses qui sont arrivées. Il faut qu'on pardonne tout. Moi, j'ai fait déjà le premier pas de te pardonner. Qu'est-ce que tu dois faire de tout? Tu as tendu une perche, donc elle doit la saisir. Voilà. Mm-hmm. Mais comme on est dans un pays où, comme on dit, on est dans un pays des droits, dans un pays de démocratie, c'est la démocratie qui prend. Non, elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de TV3. Elle a quoi à foutre de TV3? Elle est dans son coin. Tu n'as jamais pu voir Rafna depuis. Depuis Rafna est venu au monde jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Depuis c'est Rafna est venu au monde. C'est dans la photo, je vois Rafna. Sur Facebook, je vois Rafna. Ou bien sur les posts. Souvent, quand Maël poste les photos avec sa soeur, que j'ai vu. Et Maël, au moins, tu arrives à le voir. Oui, Maël, bien sûr, Maël, je l'ai vu. Et ses soeurs, tout le monde, les autres enfants. Oui, bien sûr. Les autres, eux, je n'ai pas eu la chance de les voir parce que. Ils sont envoyés à Paris. Ils sont envoyés là. Mais quand j'irai, bientôt, on va se voir. D'accord. Voilà. Donc, Carmen et toi, vous ne causez plus aussi. Ah, non! Mais quelqu'un qui ne veut pas lever, il n'y a qu'à partir de m'humilier et il veut me mettre la honte. Non, je ne peux pas. Maman Tina aussi, tu ne causes pas elle aussi. Non, la vieille ne cause pas elle. Mais pour la vieille, il faut laisser. Mais elle ne cause pas elle. Et puis, elle sait que ça là, des jours là, elle va faire une sortie encore. Je ne vais pas chercher même à répondre à ce qu'elle va faire. Je suis dans mon coin, c'est mieux. Si elle a un souci, elle n'a qu'à régler son souci avec ses co-épouses, pas avec moi. Moi, je suis son enfant, moi, je ne suis pas son camarade, moi, je suis son fils. Mm-hmm. C'est tout. Voilà. C'est trop vraiment. Alors, TV3, mais je vois que dans votre famille, il y a beaucoup de rebondissements quand même. Trop. Est-ce que ce n'est pas un peu dur à vivre tout ça, un peu compliqué? C'est compliqué. Tu sais, on ne se venge pas d'un décès à un décès. Mm-hmm. On ne prend pas une humiliation d'un funérail pour venir se le rejeter d'un autre funérail. Mm-hmm. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Ok, tu penses. Non, c'est ce qui se passe. Il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire sur le plateau de télé. Mm-hmm. Si tu vois que au jour d'aujourd'hui, chacun est dans son coin, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Ma famille est une famille de buzz. Quand mon papa vivait, la maman d'Arafat faisait toujours du cinéma, du spectacle, du buzz au Carrefour pour mettre le vieux en spectacle. Donc ce que Didier est venu faire là, ce n'est pas nouveau pour la famille. C'est nouveau pour maintenant ceux qui viennent connaître les réseaux sociaux. Ouais. Voilà, sinon pour ma famille là, c'est ma famille comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on est d'une mauvaise famille. On est d'une famille très généreuse. Mais c'est... côté musique là, pour nous notre côté là, c'est quoi ça? Donc on nous prend comme ça. Ouais. Sinon on n'est pas mauvais. Mais alors sinon, TV3, je sais que tu es un amoureux de belles voitures et surtout de jeux vidéo. C'est pour cela d'où ton surnom David Soiseau. Oh, TV3 DJ, ouais. Que penses-tu de cette nouvelle vague d'artistes inspirée bien sûr par ton petit frère qui sort du fin fond du village Baoulé venu coloniser Abidjan, les DJ congélateurs, les DJ, les bébés sans os de main, les managers confirmés, hein, les DJ courants. Ah, dis-moi un peu. Bon. Mais ça, c'est ton petit frère qui a fait tout ça. Hein. En tout cas, non, il a raison. Non, ça n'a pas encore envoyé tout cela. C'est ça, il dit, il a raison. Il a raison. Le vieux, il ne peut pas dire autre chose parce que ça là. Ah, DJ Courant. Ouais, DJ un pied. Congélateur. Ah, vraiment. Non, congélateur, au moins, on peut comprendre. Lui, au moins, il se débrouille, il sort des sons. Lui, il a le collègue
de Didier. Ouais, mais c'est ça. Ben lui là, lui c'est Didier qui s'est fait, lui s'est rêvé dans son village. C'est, non, Didier l'a rêvé, donc lui pour lui, il n'avait pas lutté dedans. Mais c'est les ceux qui suivent après là. Mais ben, ça, on se demande, qu'est-ce que tu penses de sa phase où il se couche par terre? Et puis, je ne sais pas si c'est épilepsie là ou bien c'est quoi. Tu sais, on dit quand un pays est détendu, il y a la joie et l'harmonie là, et l'amour là. Il y a des fleurs bien, des trucs qui fleurissent. Ça, c'est, voilà, c'est ce modèle là. C'est pour combien de temps? C'est pour combien de temps l'antenne, regardez. Okay. Ouais, il fait une nouvelle phase en fait. Waouh, vraiment. Ok, c'est intéressant. Big up à tous ces nouveaux artistes qui viennent de loin. On est là tranquillement. Ok. Alors, TV3, on va aller à l'essentiel. Est-ce que tu n'es pas fâché, Mantina, parce que tu aurais appris qu'elle a vendu la voiture de ton frère? Non, pas pour ça. Mais qui a vendu la voiture de Fedi Arafat? Thierry. Un jour, il fera jour. Un jour, il fera jour. Donc, c'est la réponse qu'elle a. Oui, je suis fâché, la vieille, juste pour ce problème qui s'est passé là-bas. Hein. Sinon, si c'est pour faire des côtés d'héritage, un jour, il fera jour. Qui sache ça? D'accord. Donc, un jour, il fera jour. Alors, aujourd'hui, bon, quand tu regardes la vie, la nouvelle manière de vivre de Carmen Sama, est-ce que cela ne t'interpelle pas, cette nouvelle vie de luxe dans laquelle elle est, après avoir, aujourd'hui, ton frère n'est plus. Et on sent que celle qu'il a laissée vit dans un autre level, dans un autre sphère. Et pratiquement, elle a une vie de star. Mais selon moi, quand quelqu'un décède, je crois, après un an, la dame est libre de refaire sa vie. D'accord. Carmen ne doit rien à la famille Wong. Ok. Que la nation ivoirienne le sache. Elle ne doit rien à la famille Wong. Tout ce qu'elle doit, c'est d'avoir Rafna. C'est de prendre soin de Rafna pour que le nom que porte Rafna soit digne de son rang. Parce qu'aujourd'hui, elle s'appelle Carmen Sama. Sinon, elle a son nom. Elle porte déjà le nom de Didier Arafat. Peu importe où elle ira. Mais qu'est-ce que tu penses de la polémique où on dit Rafna est la fille de Olo Kwadja? Non, ça, c'est les excuses. C'est les buzz. Rafna, la fille de Olo Kwadja. Je vais mettre les deux photos là. Mais ça, parce qu'on regarde les yeux d'Olo là. Le monsieur va se réveiller dans sa tombe. Non, mais la ressemblance, elle parle pas de toi. Non, tu peux pas dire qu'il y a pas de ressemblance. Ça, là, seulement, là, tu peux pas dire qu'il y a pas de ressemblance. Aïe, quand on met les deux photos. Tu sais, on l'a aussi, là, c'est qu'on l'a aussi, il sauve qu'elle. Donc, tout le monde, tu vois, qu'elle a sauvé qu'elle est quand même durant sa grossesse. Et puis, tu sais, les cheveux, là. Et puis, les yeux bouclés de l'eau, là. Quand on voit les cheveux, là, quand on boucle aux yeux, c'est bizarre. Alors, DJ, TV3, alors aujourd'hui, quel est ton mot de fin? Déjà, je remercie Ivoire TV. Je remercie cette chaîne vraiment qui nous donne la chance de nous exprimer et qui nous valorise pour le petit boulot que nous abattons, parce qu'il n'est pas encore un homme. Mais le petit boulot que nous abattons là, cette chaîne-là nous valorise et nous met à la lumière comme il se doit. Je vous dis merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la chaîne et la direction. Et tous les téléspectateurs, continuez de croire en nous. Nous sommes que des acteurs sur cette terre. Nous faisons ce que nous avons à faire. Quand nous finissons, nous partons. Voilà. Pour ceux qui ne me voient pas, ne pensez pas que je ne chante pas. Je continue de chanter. Si vous fouillez bien dans ma vie, vous allez savoir que je continue de chanter. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment pour le temps que vous avez eu à passer devant votre chaîne de télévision. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, merci, mesdames et messieurs. C'était le mot de fin de DJ TV3 reçu dans ce Fafa aujourd'hui. Merci à tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, sur les pages, sur les plateformes, notre émission Fafa. Continuez de partager. Surtout, toujours restez, comme j'ai pour l'habitude de le dire, sortez toujours couverts. Big up à Kangala le Berger. Big up à la boutique chez Kra, la boutique de luxe du côté de la 8e tranche, avec des accessoires et vêtements certifiés. N'oubliez pas les grands rendez-vous du S-Club, le seul endroit où on ne mange pas, mais on se nourrit. Du côté de la 7e tranche, pas loin de la station Shell, rendez-vous au S-Club avec des mets succulents qui vous attendent et aussi de la bonne musique qui est distillée afin de vous apaiser l'esprit et de vous apaiser tout ce qui est souci de temps en temps, de la détente, ça ne fait pas de mal. Je vous donne rendez-vous au S-Club, toujours. Alors, big up aussi à tous ceux qui nous soutiennent de près comme de loin, les amis depuis Paris. Big up surtout du côté de DC,
Ah, bien sûr, TV3, c'est de qui je parle. Le Romain, le prince de Rio et Alpha Bar, la grande famille, merci à vous pour le soutien dans le danton que nous avez porté. Merci aussi à Abu Dao du côté de New York, Jenny Dao. Merci à la famille. Sans oublier Cheki le Noble depuis Paris. Bien sûr, toujours la grande famille. Alors, merci aussi à Franky Aka, magasin Le Bazar de Versailles du côté de Macquarie au Ramblais. Là-bas aussi, on y trouve des accessoires très bien de collection et surtout les marques sont typiquement venues de l'Europe. Là-bas, c'est bien le bazar de Versailles chez Franky Aka. Merci à tous ceux qui continuent de partager, qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, bizarrement, ce jour où l'émission est tournée, c'est mon anniversaire. Alors, happy birthday à moi. Que Dieu, dans sa grâce et sa bonté, me révèle toujours à vous. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime. Amen.